pas les yeux. Pourquoi attendre des temps souriants? On doit le vivre maintenant. Le bonheur n'est pas trouvé dans la chance. Il se gagne, il se prend, il faut le choisir maintenant. Le choisir maintenant. Ce soir, j'aimerais bien faire l'allumage au baudril, en fait. Donc, il faut que je trouve du noisetier, idéalement, avec du lierre. Comme ça, je ferai la plaquette avec le lierre, parce que c'est bien sec. Et la drille, je la ferai avec le noisetier. Donc, je vais essayer de trouver ça, si je me prends pas une châtaigne sur la tête en attendant. Et voilà. Un morceau de bouleau coupé en deux pour pouvoir faire une jolie planche à découper pour ce soir. Alors ici on peut voir qu'il y a un arbre au sol. À mon avis, il a dû être étouffé par le lierre. Ça m'arrange puisque comme ça, je vais pouvoir le récupérer. On peut voir aussi qu'il y a une belle section. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le lierre, c'est pas un parasite. Il se procure lui-même sa nourriture. Et en fait, quand il envahit la cime de l'arbre, ça arrive que celui-ci finisse par s'asphyxier. Et du coup, bah, il se brise sous la lourde masse de lierre, comme on peut le voir ici. Bon alors, comme je disais tout à l'heure, ce soir je vais essayer d'allumer le feu avec la méthode du feu à l'archer. Donc qui dit archer dit arc, et pour ça tout à l'heure je vais essayer de trouver un morceau de bois assez souple où j'attacherai d'une extrémité à l'autre une ficelle de manière à créer un arc. Donc cet arc là il va me servir à faire pivoter la drille, donc c'est le bâton central. Donc ce soir, la drille pour moi, elle sera en noisetier. Donc vous voyez, ce que j'étais en train de faire en fait, c'est d'arrondir tous les angles du bas de la drille de manière à ce que la friction soit plus aisée tout à l'heure. Donc la friction, elle va se faire entre la drille et la plaquette de lierre. Donc vous voyez, il y a pas mal d'associations possibles. Pour moi ce soir, ça sera du lierre et du noisetier. Donc l'important en fait, vous pouvez prendre plein de bois différents, mais l'important c'est simplement d'avoir un bois tendre et un bois dur. Donc une fois que vous avez déjà ces trois éléments, il ne vous restera plus qu'à en trouver un quatrième, simplement pour ne pas vous blesser la main. Donc moi en l'occurrence là, c'est une coquille Saint-Jacques que j'avais déjà à la maison, donc je l'ai prise. Comme ça en fait, ça va servir à pas se dépouiller la main quand la drille tournera sur elle-même. Voilà, tout simplement. Donc il n'y a plus qu'à se mettre au travail et à essayer ça. Allez, je vous montre ça. Bon alors, ça commence à se rafraîchir. Du coup, j'ai mis un petit pull. Et ce pull-là, juste, je voulais faire un petit big up à ma tante Geneviève parce que c'est elle qui me l'a fait. Et les pulls comme ça en laine, ça tient super chaud. Du coup, ben, là, c'est nickel. Merci encore. Et voilà, donc au niveau du matos, il faut un arc, une plaquette en lierre et une drille en noisetier. Et bien sûr, ne pas oublier, bon bah pour ma part là, ce soir c'est une coquille Saint-Jacques pour pas s'éclater la main. Donc, je vais commencer par faire un petit peu, là je vais pas vous montrer, mais de la friction en fait pour que ça marque en fait le bois. Et quand ça aura marqué le bois, je vais faire une encoche à l'aide de mon couteau, juste là, en forme de V, pour que la sueur, une fois qu'elle aura pris, puisse passer, et que l'air également puisse passer. Enfin bon, vous verrez tout à l'heure comment ça fera. Mais juste là, je ne vais pas vous montrer quand je vais faire les traces, parce que ça va être long pour rien. Donc le principe, logiquement, c'est que quand je vais en avant, la drille tourne, et en arrière, pareil, que ça fasse une friction, sauf qu'en fait, j'arrive pas à trouver le truc.
En fait, ça glisse et puis ça va pas au bon endroit. Donc ça va pas. Je vais faire une petite encoche en fait avec mon couteau pour que le début de la drille il se coince un peu parce que là ça part trop dans tous les sens. Donc je vais essayer mais pour l'instant c'est pas gagné. Hein. Allez, donc là je refais un essai. J'ai fait un pré-trou au couteau. J'ai refait la pointe de la drille un peu plus en pointe, donc pas seulement arrondie mais un peu plus en pointe. Et j'ai aussi fait le V. Parce que maintenant que j'avais le pré-trou en fait de la base en fait, je savais où pouvait être mon encoche en fait au milieu du trou. Alors j'ai un souci, c'est qu'à chaque fois en fait ça fait du surplace là. Donc je sais pas ce qui se passe, comment ça se fait, si c'est la corde que j'ai prise qui va pas, parce qu'elle est un peu. Elle est en laine en fait, elle est pas en nylon là autour. Donc je sais pas si c'est ça ou si c'est le fait que j'appuie trop sur la coquille Saint-Jacques. Je sais pas ce qui se passe, il y a un truc qui va pas. Ou alors c'est juste parce que j'ai pas encore le coup de main. On va essayer. Voilà. Bon alors, 10e essai, action. Bon, cette fois, ce que j'ai rajouté, et que j'avais oublié, c'est la feuille en dessous, donc pour récolter la braise une fois qu'elle se fera, enfin si elle se fait. Et le petit nid, là, que j'avais oublié de préparer, avec des copeaux de bois gras pour assurer mes arrières. Allez, c'est reparti. Alors je comprends pourquoi on dit toujours que c'est rare d'y arriver la première fois. Parce qu'en fait c'est pas facile du tout. Pourtant quand on voit ce qu'ils font, on a toujours l'impression que voilà, c'est simple. Mais en fait non. Alors là c'est au moins le 10e essai. Désolée pour la pause, mais c'est la seule que j'ai trouvée pour que ça tourne un petit peu. Ah zut! Ah le bout de bois il est un petit peu chaud déjà, je suis contente. Tout à l'heure c'était pas chaud du tout. Bon, il y a du mieux. Allez, on s'arrête pas. On lâche rien. La galérienne. On dirait j'ai envie de faire pipi. Eh ben non. Ah bon, bah, j'arrive pas pour l'instant. Tu sais, c'est le genre de truc quand t'es en train de regarder quelqu'un qui arrive pas, tu te dis putain, mais pourquoi il fait pas comme ça? Pourquoi? Déjà ma posture, je pense que c'est pas la bonne du tout. Normalement, on est comme ça. Voilà. Purée, pourquoi j'y arrive pas? Quelle est la chose qui fait que j'y arrive pas? Bon là on voit la sciure qui tombe sur la feuille. Déjà il y a du mieux. Comme quoi tout se mérite dans la vie. C'est un truc de dingue. Position du pipi. Bon alors malheureusement c'est un échec pour ce soir. Hein. Bon la première fois en général c'est comme ça mais bon j'espérais quand même y arriver et pourtant j'y suis depuis 3/4 d'heure donc franchement là j'ai le coude en compote. Donc la prochaine fois c'est pas grave, j'y arriverai un jour, c'est pas grave, je vais m'entraîner et puis ben voilà. Bon bah ben, ça sera allumage au briquet. Tant pis, j'avais préparé mon petit nid et tout. Voilà.
Tant pis, tant pis. Ah, un peu dégoûté, mais c'est le jeu, hein. Bon, et à un moment donné, il faut quand même allumer le feu, quoi, parce que bon, il est 10h30. On a quand même des trucs longs à cuire ce soir, on a le maïs. Après, le plat du soir, ça sera potimarron. Donc potimarron avec du reblochon, des lardons, de la crème, des champignons, enfin bref, que des bonnes choses. Et ça, c'est pareil, ça met longtemps à cuire. Donc c'est pour ça. Et puis aussi, j'avoue, là, j'ai eu ma dose, quoi. 3 quarts d'heure, franchement, ça va. Bon, alors là, on va lancer le maïs à cuire, parce que c'est quand même long. Donc on va mettre ça sur le piquet. Voilà. Bon, à l'arrache, hein, ça le fait aussi. Alors, le petit piquet. Hop. J'espère que ça va être... Comme bon, c'est super bon, ça. Sur les marchés, des fois, ils en font. C'est trop bon. Bon, alors, comme je vous le disais tout à l'heure, ce soir, c'est attaque à la citrouille. Donc, en fait, comme plat, ça va être des potimarrons qu'on va vider et puis on va les garnir de plein de bons ingrédients. Gigi, yeah, hey, yo, gringo, let that shit breathe. Wish I could bring pump back, blow, nigga, run that. Today, let Remy, yeah, we gon' let these semis out. Wish I could bring stacks back, child, let the Mac clap. Today, free Brick of Bell, gotta give you niggas hell. Blick and make the nigga yell. Beam hit his knees, made him scream when the nigga fell. Shoot out with the law or the morgue for I set in jail. Nigga said, maintenant, on a plus qu'à mettre au feu, et puis bah, je pense que par contre, ça va être très long. Mais bon, c'est pas grave, le maïs est prêt, donc. Ça va bien se goupiller. Et voilà, les bons petits potimarrons. Il n'y a plus qu'à attendre. Comme ça donne trop envie en tout cas. Les potimarrons. Alors ça y est, maintenant ils sont cuits. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ouais, ça fume et tout. Mais ne faites jamais cette recette parce que c'est juste ignoble. En fait, ça n'a pas d'autre goût que le goût de la gerbe. Je ne sais pas comment vous expliquer. Pourtant, il n'y a pas trop de loupage de recette de fait. Juste acheter les trucs dedans, en fait, c'est à que des bons ingrédients. Et en fait, ou alors, je ne sais pas, peut-être c'est température trop chaude. Avec le lait cru du reblochon, ça a dû faire un truc bizarre. Puis la crème et le lait cru du reblochon, ça a tourné, ça fait un goût de... Un goût de pas bon. Du coup, voilà, tout est vraiment contre nous. Pourtant, je sais pas, vendredi 13, c'était hier. Aujourd'hui, on est le 14, il se passe quoi, là? On a faim. On a faim. Quel dommage, il reste du reblochon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer. J'ai pris du bon pain de campagne. Et puis, bah, du coup, on va se couper ça. À l'ancienne. Du bon pain avec du bon fromage. Infusion miel, citron et gingembre. Là, pour l'instant, le repas, c'est juste un fiasco. En fait, je vous explique, le maïs, bah déjà, en fait, soit il était carbonisé, soit il était cru. Ou alors, il était carbonisé au-dessus et cru en dessous. Donc déjà, ça, voilà. Après, les potimarrons, on a essayé une première fois, c'était pas encore cru. En fait, c'était froid dedans. Brûlé tout en dessous, donc là on les a remis à cuire, on verra bien. Les marrons, on en a acheté 2-3, ils nous ont pété à la gueule. Donc voilà, on a mis ça sur deux grilles parce qu'on n'avait pas de poêle, mais en fait j'ai pas fait la petite croix là pour pas que ça explose. Du coup, voilà, super. Donc si on peut boire un petit peu de jus sympa, ça va nourrir un peu. Ah oui, et puis le pain. Alors le pain que j'ai acheté, en fait, il avait un goût trop bizarre, déjà il sentait bizarre. Donc bon bah en espérant que la petite infusion soit rattrape le truc quoi. Et tu testes pas, tu sais pas. Donc bon, affaire à suivre. Et la soirée touche à sa fin. D'ailleurs c'est le cas de le dire parce que là on a super faim, il est 4h20, on a cuisiné, on a attendu. Et on a toujours aussi faim, c'est pas normal, c'était une catastrophe intersidérale. Si bien que même l'infusion qui était censée être bonne parce que bah y a rien d'extraordinaire, même ça c'était pas bon, imbuvable.
En fait, bon, bah, c'est de ma faute, j'ai mis trop de gingembre. Enfin bon, quand même, je pense qu'il y a quand même une conspiration du vendredi 13, alors qu'on est le samedi 14, mais je sais pas, il se passe un truc. Hier, la journée, elle s'est trop bien passée, du coup, ça revient sur aujourd'hui, je sais pas, mais en tout cas, on n'a pas mangé, on a faim. Donc, bah, c'est comme ça, c'est la vie. On va se coucher et demain est un autre jour.